Jodi an nan okasyon emisyon spesyal Honneur Respect pou Master G, Master G Papa Rap Kreyòl lan, nou gen chans pou nou renkontre nan Miami e Polo Jamaican. Polo Jamaican se yon nan premye moun nan vil Gonaiv ki fe müzik raga. Polo Jamaican se yon nan moun tou ki te gen chans pou te kotwaye Master G paske msye se yon nan pionye nan mouvman Rap Kreyòl lan. Alors Polo Nabdou, bonjour. N'a bon chance pour présenter mon yo pour dire qui est souillé en peu de mots et puis ensuite pour dire nous qui l'ont rencontré Master G, qui Jean Master G il contribue dans carrière et qui plus bel souvenir qu'au Kembe de Master G. Bon, et Mingo Love, et premièrement, c'est un grand privilège pour moi pour moi avec vous comme ancien un pionnier vous arrivez tout dans mouvement que vous supportez nous en pile longtemps. Mon cher, trois questions vos émissions, yo très très intéressant. C'est qui le moi t'es entré dans la musique là. Moi entré dans rap créole exactement en 87, là me commencé à entendre Master G. Et en 86 c'est pour que Jean-Claude Finale a fait Politique Pam, m'a entendu musique ça qui était très très c'est ton méga hit à nos jours, son musique qui est toujours très écoutée. Et puis moi je viens inspiré de du rap créole et du reggae. À partir en pendant que m'attendais Master G lui-même et puis pendant que moi-même moi viens à faire carrière par moi n'attendais en pile Bob Marley en pile you know Chabarinx etc et puis qu'on est là moi viens commencer faire musique et puis viens faire une grande publicité pour comment on appelle les radios ça Signal FM et à l'époque BG en vogue BG Tapmene c'était en 90. Et puis moi-même, des bonnes musiques, des faits pour Signal FM, c'est un bail sérieux. On se prend un jingle, et puis jingle là, il tourne en musique qu'on y a. Et puis, manager, moi, c'était producteur, et c'est lui-même qui est directeur, chef production pour Signal FM, et Regimix, Reginald Léger. Et puis, monsieur dit, mon cher Paul, gagne un album que Master G a fait en décembre 90, alors 91, album n'a pas sorti. Et puis, Master G besoin, on est en cours et nous passons sur pas l'album, comment on passe ça? Je me dis, monsieur, mon cher, moi-même, c'est vous-même qui initiez mon mouvement à l'époque, dès qu'il y a 17 ans comme ça. Et puis, je me dis, monsieur, pas de problème, son fierté pour moi. Et le temps de Master G, tout est content, je vais aller rencontrer ça. Et puis, effectivement, et l'homme paraît dans Tropique FM, nous jouons tout l'album, là, qui est presque fini. Et puis, moi-même, je suis sorti avec une musique, les fierté nègre, c'était une plus belle expérience. Que je suis capable de faire donc, en tant que pionnier du rap et du raga. Parce que moi, je ne fais ni reggae, ni rap, ni R&B aussi. Parce que là, je suis commencé en tant que chanteur. C'est après que je viens rap. Alors, Polo, c'est qui ça? Qui Jean Master dit ou même là, vient côté là avec musique ça? Est-ce qu'il y a des arrangements qui sont faits? Est-ce qu'il y a des conseils qui sont bons? Est-ce qu'il y a des bagarres ou non? Ça me bat, mais j'en fais le conseil plutôt. Bon, et c'est une très belle question. Mon cher, vous connaissez l'autocritique là, l'extrêmement important. Et lorsque je viens avec Musicio, que j'ai déjà enregistré dans Signal FM, je me dit, mon cher Paul, et Polo, j'ai un beat, comment t'as pris mettre des beats ça? Et beat ça, c'est ton beat, Boujou Banton, ma besoin de tout, n'est chanter, n'est gaga sous lui en plus. Et c'était un gros bail. Monsieur, dit même arrangement, monsieur, en tant qu'arrangeur, et monsieur fait background yo monsieur fait et comment t'es capable de dire choral yo qui fait musique là ou t'es connu musique là ou t'es connu jouer dans les autres stations radio pas au Gonaïv et que t'es connu jouer les comment stations radio là quoi continental là ouais mais moi là donc c'est une fierté pour moi les fierté nèg sorti et fierté nèg et c'était une tube album là à l'époque nous t'es sous pas de nous et que tout nèg connaît nous t'es top at lemon te gen musique li nous te gen Fendi Jamaican que moi même Fendi 26 nous te gen et moi même t'a fait sacré les Jamaican passé avec Negio et puis qu'on est là c'est après ville monter Petionville quoi 10 ans plus tard c'est moi même qui te gen chance nommé King Passé ça c'est moi m'te composé 4 morceaux dans premier album King Passé. OK, et qui plus bon souvenir que ou même personnellement ou gardé de Master G et que je dis en leur pensée de Master G, je dis mais qui est ce monsieur ça? Bon, mon cher, si je dis ça, j'ai un movie que m'écrit et puis tout le temps, j'ai mon gars dit mon cher Paul, mes movies a parlé de rap créole et problème qui gagne dans la musique haïtienne.
Mais moi-même, mon rôle Master G, tout le monde dit c'est moi pour jouer. Je dis, mais pour qui ça? Je dis, gardez profil où? Et puis, gardez profil Master G. Le mettre chapeau encore. Moi, je dis, pourquoi je dis, c'est le même chapeau en pile? Donc, il est toujours à me dire, moi, et puis, il était quoi, il était gagné de casser. Et puis, moi, j'ai soit fond ou vie, ou bien l'autre, je joue Master G. On l'a pas bien joué, c'est où que tu es contre Master G, c'est où que l'autre n'est. Et puis, c'est une souveraine que je me dis, monsieur, si on dit, on me dit, qu'est-ce que ressemble à Master G? Je pense que c'est un compliment. Et puis, bon souvenir que je de Master G, c'est parce qu'il était un privilège pour me sortir deuxième morceau hit moins. Alors, je me suis sorti en première version. Deuxième morceau, c'était. Alors, forme du tout, l'album, ça a sorti en France. L'album, ça n'a pas sorti à Haïti. Il est sorti en France et puis il était sorti tout sous cassette. À nos jours, pas de personne qui a ça, qui a sous ni CD ni plaque. Donc c'est un plus gros souvenir que moi-même j'ai gagné. Et puis pour nous déchirer avec Adleman et Soupade Noé, l'Irak, MC Storm et Passy X qui devient après et Teddy Fresh qui c'était pour moi une meilleure et bon côté Teddy Fresh malheureusement le défoncier ouais. Et puis c'est moi-même qui ai remporté le rappeur de l'année en 91 sous télé nationale. Côté que des feux comme les Marie-Louise, c'était pas mon chèque. Et le Sarah Friends Jovek, quand tout le monde a fait belle performance, c'était très belle bagarre. C'était Fuji Alcalix qui était nommé moi le rappeur de l'année en 91. Et je suis capable de dire que c'était un gros privilège. Je voulais saluer Calix tout que je m'attendais longtemps. Et BJ tout qui a fait un gros travail ensemble avec vous. C'est son grand plaisir pour me là avec nous là, je veux dire. Bien, nous disons merci en pile de ce côté créateur pour être capable de parler avec nous, pour te faire public là tout qui parle pendant très très longtemps qu'on est que Polo Jomeken qui devrait nous c'est Paul Cupidon donc toujours là. Alors merci en pile et c'est ton plaisir. Mon cher merci en pile Mingo. Nous souhaitons bon Dieu bénir nous toutes et nous avons une grande continuité et gagne une bagarre comme peut-être parler de lui. Moi c'est ambassadeur pour Film Promotion d'Haïti. Qui c'est l'association des acteurs haïtiens à California et en Haïti aussi. Actuellement, tout le monde qui va le faire à Haïti, c'est Film Commission d'Haïti. C'est par nous-mêmes pour y passer, pour y aller filmer à Haïti. Et nous travaillons avec toute mairie, honnête, toute collectivité territoriale pour nous essayer d'aider Haïti parce que, comme je disais, nous avons un monde qui n'a en pile social à Haïti, parce que moi j'ai propre ONG par moi, qui travaille avec tout magistrat. Lorsque ce magistrat rentre ici, c'est moi-même qui toujours préparé pour eux les rentrer tout. Donc c'est un privilège. Bientôt, nous sommes capables d'avoir un pile politique à Haïti. Et Adleman, c'est une année que je me supporte en pile l'aide en bas. C'est bons amis moi depuis longtemps. Nous apprécions ça en pile. Merci en pile. Merci, Polo.